Hey, salut à tous et à toutes, c'est King Logan TLC, on se retrouve pour le deuxième Quick Infocraft, donc ça va être une toute petite info très très rapide sur Minecraft 1.9, donc c'est bien entendu la version PC, mais aussi une des futures versions Xbox, donc je sais pas si nos vieilles Xbox 360 continueront d'accueillir des mises à jour, en tout cas je l'espère très fortement, donc... C'est en fait un développeur de Minecraft PC qui a envoyé sur Twitter ou sur un site communautaire de Minecraft, je ne sais plus lequel, excusez-moi pour la sonnerie du téléphone, il a envoyé une image d'un in-game d'un squelette. Alors ce squelette est très particulier, je vais vous mettre la vidéo en boucle et commenter en même temps. A tout de suite. Donc voilà, je vous laisse voir la vidéo quelques fois avant de commencer à commenter. Alors, comme vous avez pu le constater, maintenant, ce qui a changé sur l'animation du squelette, c'est tout simplement qu'il se sert de ses deux mains et on peut facilement deviner quand est-ce qu'il va tirer. Donc c'est un des développeurs qui fait partie de Mojang qui a développé ça il y a une ou deux semaines. Donc ça fera partie de la mise à jour 1.9, comme je l'ai peut-être dit précédemment. Et voilà, vous voyez que maintenant les mobs pourront se servir de leurs deux mains. Alors ça tombe très bien parce qu'il a aussi développé le fait qu'on puisse aussi avoir deux objets en main, avoir deux mains également. Donc cela a pour effet d'avoir dans la main droite un outil actif. Et dans la main gauche, un outil inactif. Donc on n'en sait pas plus pour la plupart du temps. Peut-être que certains seront actifs, on ne sait pas. En tout cas, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que dans la deuxième main qui va apparaître, on pourra utiliser des enchantements. Donc les enchantements seront actifs, mais pas les objets. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite info vous aura plu. Je vous rappelle qu'elle concerne la version PC de la 1.9. Donc c'est la future version 1.9. Merci les gars pour le bruit de Skype. Donc voilà, j'espère très simplement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec les gens qui ne sont pas forcément au courant des mises à jour. Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt.